universitaire de l'alphabétisation. Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et de l'Équipement. Excellence, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Chers cadres de l'éducation, chers invités, en ma qualité de responsable de la population de Dixine, c'est pour moi une grande joie de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à cette importante délégation conduite par Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Chers invités, Excellence, Monsieur le Ministre, la commune que vous nous faites honneur aujourd'hui de visiter est composée de 22 quartiers, 129 secteurs pour une population estimée à 172 000 habitants. La pose de la première pierre pour la construction de cet édifice scolaire est un événement majeur pour la commune de Dixine, dans la mesure où elle en manque considérablement, surtout des collèges et lycées publics. Je suis persuadé que la construction de cette école publique permettra aux parents d'élèves d'y inscrire leurs enfants à moindre frais. Excellence, Monsieur le Ministre, depuis l'avènement du CNRDD au pouvoir le 5 septembre 2021, nul n'ignore l'importance que vous accordez à la formation de nos enfants, aussi bien dans les universités que dans les écoles professionnelles. Donc, la population de Dixine n'est pas surprise du nom de cette école qui très certainement va réduire le déficit d'infrastructures scolaires dans notre commune. C'est pourquoi, à mon nom et au nom de la population de Dixine, je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette générosité dont vous nous faites montre. Par ma voix, la population de Dixine vous remercie et vous assure de son total soutien au processus de la transition que vous venez de bien vouloir mettre en place pour une transition, pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vive la République. Je vous remercie. Frantin Mamali, bien sûr, de la commune de Dixine, de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation et de l'alphabétisation. Messieurs les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Madame l'inspectrice de l'éducation de la ville de Conakry, Messieurs les DCE de la commune, Messieurs les DCE de l'éducation des différentes communes de Conakry, Mesdames et Messieurs, à vos titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi, au nom de la communauté éducative de Dixine, de vous souhaiter la bienvenue. La commune de Dixine, qui a l'honneur de vous recevoir à l'occasion de cette cérémonie, compte de nos jours 37 155 élèves, dont 19 160 filles, et 500 enseignants, dont 366 femmes. La cérémonie qui nous réunit rêve pour nous une importance capitale, car la commune de Dixine est une commune qui ne possède pas d'infrastructures suffisantes.
pour permettre d'accès à tous les enfants de la commune. En effet, elle ne compte que 17 écoles primaires, dont 2 franco-arabes, 1 lycée et 4 collèges, dont 1 franco-arabe. Mesdames et messieurs, vous comprendrez dès lors la joie qui nous anime pour avoir ce bijou. Merci, monsieur le président de la transition, pour l'initiative. Merci, les membres du gouvernement. Je vous remercie. Excellence, monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, dans le cadre de tirer les leçons des premières semaines de la rentrée scolaire et sachant l'insuffisance notoire des infrastructures scolaires, nous ne pourrons que vous remercier de ce don très précieux qu'attendent les parents d'élèves et la population guinéenne en général. Nous ne pourrons que vous dire merci pour ce don précieux, gage certain d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage de nos enfants. Au nom donc des parents d'élèves de la ville de Conakry en général et ceux de Guissine en particulier, nous remercions le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya. Nous remercions le gouvernement guinéen et nous, parents d'élèves, nous sommes à la disposition sous guide éclairé du colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Mon nom, c'est Fassine Conti, président de la coordination régionale des parents d'élèves de la ville de Conakry. Le remerciement au nom des parents d'élèves. Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et d'Habitat. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Monsieur le maire de la ville de la commune de Dixie. Monsieur le chef de quartier. Distingués invités. Monsieur le président de la République. Nous, parents d'élèves, à travers les anciens, sont ravis du geste patriotique que vous êtes en train d'implanter pour le développement éducatif afin de lutter contre l'analphabétisme. Merci, merci. Nous sommes avec vous pour un changement radieux, pour une Guinée prospère et unie. Que les Guinéens comprennent votre mission de transition. Dans la paix, l'unité et dans le travail. Sans distinction socio-économique, ethnique, religieuse. Nous remercions les membres du gouvernement, sans oublier le chef d'État. Merci. Monsieur Mohamed Baye, je suis parent d'élèves. Messieurs les ministres, membres du gouvernement ici présents, Monsieur Souyaya et Monsieur Bernard Gomo. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs de l'éducation, Mesdames et Messieurs les cadres ici présents, chers parents d'élèves, chers notables, chers imams, tout protocole confondu, bonjour.
C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ma qualité de ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la pose de la première pierre des travaux de construction et d'équipement d'une école primaire moderne de 18 salles de classe avec salle informatique, bibliothèque et quartier. En effet, la question des infrastructures et équipements scolaires fait partie des défis majeurs auxquels notre système éducatif est confronté, ce qui prive près de 2 millions d'enfants en âge scolaire de leur droit à l'éducation, selon le diagnostic du système éducatif national RESEN 2019. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour témoigner l'engagement et la détermination au quotidien de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, de doter notre système éducatif d'infrastructures et d'équipements scolaires de qualité. C'est pour cette raison qu'à la suite de ma communication sur l'état des lieux, des infrastructures et équipements scolaires en Conseil des ministres, à la date du 17 mars dernier, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a donné des instructions fermes au gouvernement d'élaborer un programme d'urgence de construction et d'équipement de nouvelles écoles, dont la première phase de cette initiative concerne un projet de réalisation de 1000 salles de classe à travers tout le pays. Mesdames et messieurs, la construction d'une école dans une communauté est un acte majeur pour l'avenir des enfants de la dite communauté. L'étape de la commune de Dixine constitue donc le point de départ de ce vaste programme d'infrastructures et équipements scolaires. Cette action s'inscrit en droite ligne de la lettre de mission adressée à mon département par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Biaboki, et du programme décennal de l'éducation CODEC 2020-2021-2029 à travers l'axe prioritaire accès équitable à l'enseignement général. L'implantation de cette école dans ce quartier vient mettre fin à la souffrance de nombreux enfants et parents d'élèves, contraints de parcourir de longues distances pour recevoir les cours ou de s'inscrire dans un établissement d'enseignement privé, souvent très cher, qui cause une énorme charge pour certaines familles. Aussi, il est important de souligner qu'à Dixine, sur 96 écoles primaires, seulement 17 écoles sont publiques pour un effectif de 15 121 élèves, contre 18 971 au privé. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure mes propos en m'acquittant d'un devoir, celui d'adresser à son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, la profonde gratitude de la communauté éducative, enseignants, élèves, parents d'élèves, pour ses actions salutaires et salvatrices en faveur de la qualification du système éducatif guinéen, gage certain de l'édification d'une nation forte, unie, paisible et prospère, comme nous l'enseigne le Tamalmud. Citation : le monde ne peut être sauvé que par le souffle de l'éducation. Vive le CNRD, vive l'école guinéenne. Je vous remercie.